dernière petite vidéo de la semaine pour les moyens concernant les gestes de l'écriture. Mardi, on a travaillé sur les lettres droites. E, F et T pour écrire le mot fête. Jeudi, on a travaillé sur les lettres obliques avec M, A, N. Hein, les lettres pointues. Attention, n'oublie pas leur pointe. Pour écrire le mot maman. Et aujourd'hui, on travaille sur les lettres on va dire combinées, mais qui ont des arrondis, la lettre B et la lettre O. Comme petit échauffement, je vous ai demandé de prendre un objet et de le serrer très fort avec le geste de la pince, hein, pour réveiller le muscle des doigts, là. On fait la musculation pour qu'il soit bien fort, pour être en forme, pour tenir le crayon. Et donc, hein, on tire, mais on essaie de résister. Non, 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 hein. On résiste fort, on imagine ce que Gaston veut nous voler, quelque chose, une lettre à manger, pas question. D'accord, donc on s'entraîne, hein. Bon, le but c'est pas de se faire mal non plus, mais on s'entraîne à résister. Donc, aujourd'hui l'écriture c'est pour pouvoir écrire le mot bonne. Donc on a besoin du B et du O, et ensuite il y a deux N et un E qu'on a déjà travaillé. Le B. On part du ciel, c'est une lettre droite. Ça commence par un trait tout droit, un trait horizontal, donc il descend jusqu'au sol, tout droit. Et là, il va falloir trouver le milieu du trait. Hein, le milieu, ça veut dire qu'il y a autant de distance en haut qu'en bas. Et on va lui faire une tête arrondie. Et un gros ventre à notre B. Et on a dit le O. Le O, on le connaît. Par contre, attention, on tourne dans le bon sens. On part du ciel, on tourne vers la main gauche. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On passe à côté du sol et on remonte. Voilà. Donc là, on a écrit beau. Et on sait que maintenant, notre N, avec ses pics. Alors, je dis qu'on pourrait commencer d'en bas, le N aussi, hein, si ça évite de faire à l'envers, faire les montagnes. Et le E, je descends du sol, du ciel jusqu'au sol. Un trait couché dans le ciel, un trait couché de la même longueur au milieu et un trait couché en bas sur le sol. Et on a écrit bonne pour écrire bonne fête maman. J'espère que vous serez bien entraînés cette semaine et que comme ça vous pourrez écrire un joli petit mot à maman. Allez, bisous!